Vous m'avez en sortez, venez vous m'avez écouté, maman. Thérèse Tchama, le petit surève, Mbiaï, Pam Sang et sa femme, Tatiana Corny et Flore Delé, tout ça parce que quoi? Elle apporte son soutien, a compris. So, en tout cas, on est seulement là, on voit aussi seulement les soutiens de la toile. Pour toi, viens te voir assise quand tu parles. Tu n'as même pas une bonne taille de soutien. Tu es comme le crash back. Donc tu ne viens même pas avec la morphologie qui va avec. Mais c'est toi qui vas dénigrer des personnes qui te dépassent. Tu ne viens même pas avec le truc qui va avec. Et que tu es nul de ta tête au bout de tes os, de tes ongles au sol. Tu es mal habillé. Tu es mal coiffé. Tu n'as même pas le bon soutien. Donc quand tu te parles là, tes mouvements, tes gestes, tes signes sont en train de taper tapa. Tu n'as même pas le bon. Deux longs régimes de planter qui sont au sol là. C'est toi qui as venu parler de papeti Maluba. Je dis, quelle est cette histoire qui ne finit pas? Quelle est cette histoire qui ne finit pas, mes gens? Quelle est cette histoire que tous les jours est toujours en rebondissement? C'est le seul couple qui se sépare. C'est le seul couple ensemble. C'est quoi? Mais c'est quoi? Ça devient quelque chose. Oh, c'est plus que de l'obsession. Ça, c'est de la magie. Tu dis que les gens vivent le parfait amour. Toi-même, tu vivras ton parfait amour quand? Tu as échoué là où d'autres femmes ont réussi. Tu as un peu tous les jours. Donner la description d'une relation tous les jours. C'est toi qui définis le bonheur des gens. Tu connais d'abord ton propre bonheur. Parce que tu ne l'as jamais vécu. Toi, Raven Biaï, quel est ton problème? Quel est ton problème? Toi-même, tu n'as pas connu le bonheur. Tu as échoué là où beaucoup de femmes ont réussi. Tu t'es marié à un soi-disant blanc qui t'a fait signer les papiers, les crédits comme ça. Tu as dû payer les crédits. C'est pour ça que tu ne peux pas acheter un bon soutien pour porter. Parce que tu as dû payer les crédits. Et que tu ne connaissais pas la langue. Il t'a fait signer les papiers comme ça, tu ne connaissais pas lire. Tu n'as même pas eu l'état d'esprit. Toi qui dis que tu allais tellement à l'école. Tu n'as même pas eu l'état d'esprit de chercher un interprète pour te lire les papiers que tu signais. Tu as signé tes mandats. Mais tu signes les crédits que tu as pris avec le blanc, que le blanc a pris à ton nom. Tu as dû payer les crédits. Tu n'es même pas chez toi. Tu n'es même pas dans un cadre confortable. Tu ne connais même pas préparé à ta fille. Ta fille a toujours faim. Tout ce que tu as pu faire de ta vie, c'est organiser un petit groupe des neuses contre Pepe Maliba. Qui parmi vous là a un exemple à prouver? C'est la langue de mon père et sa bouche pourrie, avec beaucoup de dents pourries dans sa bouche, la bouche de Porti Porta. C'est là qui est la honte de ses enfants. Aucun de ses enfants ne peut l'assumer comme ça en plein jour. C'est vous qui allez venir baver sur la relation de quelqu'un. Mais c'est quoi? Et personne parmi vous ne travaille. Il y a un petit club de Matango. Il y a un petit club de Matango, des chômeurs. Mais tu n'as jamais travaillé. Tu as la maison, le petit argent que le gouvernement te donne pour nourrir ta petite souris que tu amènes, que tu appelles ta fille là. C'est ça que tu payes le crédit, que le blanc a pris pour toi. Quand tu dis que tu vends les mèches, qui peut voir les mèches là sur toi en tant qu'égérie et acheter tes pipis du chat là? Tu peux porter quoi sur toi? Que tu te de la tête jusqu'au pied et que tu achètes. Tu as quoi? Tu n'as même pas un bon vent. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Quand tu vois Pepe, tu m'allais pas debout. Vous ressemblez à quoi? Il y a quoi qui match entre toi et elle? Qu'elle soit celle-là qui est là-bas à Rouen, celle-là que son ventre est plié en morceaux là. C'est là qu'on l'a vu s'habiller devant son homme avec un vieux cadessant aux fesses. C'est là qu'on l'a vu forcer ses couches de ventre, la peau morte de son ventre qui traîne partout pour mettre dans un pantalon serré. C'est là qui n'est même pas femme. Parce qu'un homme qui t'a humilié comme ça, qui t'a filmé dans tes moments aussi vulnérables, tu oses encore parler de lui. Mais vous n'êtes pas des femmes. Vous êtes des insécures. Vous êtes des femmes insécures. C'est là qui a les dents limées, qu'on appelle la cornie, qui l'a humiliée au vu de tous. Elle ose venir entrer dans les directs, parler encore de cet homme. Des femmes insécures. Et quand vous des femmes insécures, on peut aller où avec vous? On peut aller où avec vous? Toi, Conny, et quand tes dents limées comme ça là, tes dents sont limées dans la bouche comme ça là, toi et ta grosse langue qui pèse au moins 100 kilos dans ta bouche, tu oses encore venir en plus parler d'un homme qui t'a refoulé, qui t'a rejeté à Mondovision, qui a fait son choix. Un homme qui a la veille, il était à un événement public avec sa préférée. Tu oses venir t'asseoir le lendemain, parler encore de lui. Mamie, Pepe, tu vas vivre sa relation avec Thierry. Et le jour, God forbid, ça ne va plus, vont se séparer. Mais pour le moment, ils sont ensemble. Et tu dois respecter cela. Ok? Même si tu dis que pas la chance des choses. Ok? On veut te donner ce crédit-là. Même si elle était ton amie. Même comme elle n'a jamais été ton amie. Ok? Et qu'elle a arraché ton gars comme tu pleures partout. Où est ta grandeur? Mais move on. Move on. Où est ta... Même quand Lolo avait fait le live la dernière fois, quand ce problème était encore sur la table, il était pour te calmer. Il était pour te donner un reconfort. Elle était venue en cri de guerre. Même le je suis sûr que le peut plus parler de ça. Quel est ce problème qui ne finit pas? Quand si conseiller Thierry Eva, on soufflait sur la douleur de Tatiana Corny. Une saleté comme ça là. Une poussiéreuse comme ça là, c'est coucou pied au sol, comme les bananes du village. C'est qu'elle parle aux gens. Une sale chose comme toi. C'est tu as eu attaché maintenant Thierry pour dire que la relation est forcée, veut ou pas. Tu as eu attaché maintenant avec lui. Vous avez eu quelle attache maintenant? Vous avez été boyfriend, girlfriend, and that's it. Pourquoi tu ne peux pas signer sur le ne peut pas être d'accord avec ça. Et que le ne peut plus parler de Tatiana. Le ne peut même plus. Il y a des choses que je. Même c'est pas, il y a des choses que je ne peux pas accepter de Lolo. Ok? Lolo, au moins, elle a cette grandeur et tout. Elle ne peut plus parler de ça.
Elle est là, elle a sa malnutrition. C'est comme un enfant, elle nous quoi choco. C'est que vous devez lever les dents d'abord. C'est que vous devez aligner vos dents au sol. Je ne supporte pas la parole telle. Quand tu prends l'exemple du couple diabolique de la Suisse, ça c'est de la relation ça. Quand tu les vois, il y a quoi? Il y a quel feu entre eux? Il y a quel feeling qui passe? Le fort signe de ça. Tu crois qu'un homme qui niaise vraiment dans la chambre peut venir dans la cuisine en train de toucher les seins de sa femme? Qu'est-ce qu'elle nous prouvait? C'est fait, c'est monté vraiment sur le cocotier. Tu vois qu'un homme qui niaise sans gars la nuit, qui assume ses devoirs conjugaux, va venir devant la caméra, elle est saine. Non, quand tu fais ça, ça veut dire que tu veux faire le prouver. Ça veut dire que tu ne fais pas ce qu'il y a lieu de faire. Avec une femme qui est tellement mal à l'aise au côté, je ne sais pas si elle a la mauvaise haleine, le père de la suite. Quand elle vient à côté de sa femme, qu'elle a dans la caméra, c'est comme si, je ne sais pas si elle a une mauvaise haleine. Tu vois comment sa mine du visage change directement. Ok? C'est ça que tu veux lui prouver ton exemple. Tu connais sa paix, ce qu'on appelle être dans les relations. Tu connais ce que fait, ce que me dit que filer le parfait amour. Tu connais ce que me dit? Tu as connu un homme qui a aimé. Donc tu ne peux plus prendre l'exemple sur ta mère et ton père. Non. Tu as venu prendre l'exemple sur les gens que quand on les voit, ils ont une vapeur buccale à distance. Et que la vapeur, le numba de ça. Ok? Quand tu vois celle-là qui est affranchie en Suisse là, auprès de son mari, celle-là qui est le petit toutou de son mari, quand tu les vois, il y a l'amour entre eux. Où est l'amour là? Ou bien il nous faut les frames de glace pour qu'on voie ça comme toi. Où est l'amour entre les conneries là? Où est l'amour? Quand elle est en caméra comme ça, il y a qu'elle, c'est une muette, ok? Une lettrée, elle ne connaît pas s'exprimer en français, ok? Donc c'est elle ferait mieux de s'exprimer en geste, ok? Donc peut-être qu'il y a les gens qui ont fait les écritures, des aveugles, les écritures braille, ou quoi que ce soit, qui vont comprendre, ok? Elle ne connaît pas s'exprimer. Elle est maman, elle est maman, elle est maman. Elle peut parler deux phrases sans regarder le bout de sa chaussure. Elle connaît s'exprimer. Elle est en caméra là comme ça, quand elle est seule, elle est quand même un peu à l'aise et tout. Mais dès qu'elle voit le vieux machin là venir, c'est comme si elle a une mauvaise haleine, c'est quoi? C'est la mine. Quand il vient parler, la mine de son visage change directement. C'est comme s'il y avait un numba qui a frappé son visage comme ça. Prends le plus, c'est capable d'enterrer son frère. Ok? Où est la compassion? Tu viens, tu fais le deuil de ton père, de ton frère dans un petit couloir comme ça, un couloir comme ça là. Pour cotiser les 5 francs des gens, pour aller t'asseoir. Mais maman, excusez-moi, c'est pour ça qu'on dit papa que ouais, elle aime pas. Maman, pardon. Quand le graphique va comme ça, que maman aime pas, où elle a dépassé. Maman, excusez-moi. Ouais, maman. Juste parce que. Ok? Juste parce que le proving de ça. Ok? Je ne vais pas léger ta soeur ce matin parce qu'elle ne t'envoie pas. Elle ne t'envoie pas. Et je ne me suis jamais moqué. Même si le feu a voulu la titiller. La séparation n'est pas faite pour les chiens. Quand ça ne va pas, on se sépare. Parce que ce n'est pas le lot qui t'envoie. Parce que j'aurais dû encore prendre l'exemple de ta soeur. Mais je ne le ferai pas. Parce que ce n'est pas elle qui t'envoie. Et elle n'est pas d'accord avec toi. Un sale chien, toi. Tu dis, les coupes, les médecins. Les coupes, les médecins. Les coupes, les ceci. Telle coupe. En tout cas, toi, aucun homme ne t'a jamais assumé. Même ton marabout béninois lequel tu as fait ton dernier enfant. Toi qui étais marié à un blanc, tu as fait l'enfant noir. Viens nous expliquer. Viens nous expliquer what happened. Toi, rêve, une sale chambre mariée à un vieux blanc. Tu as couché les enfants noirs. Viens nous dire ce qui s'est passé avec ta dernière fille. Quand tu as connu ton vieux machin là, tu as là ton fils. Et on dit que ton fils, là, tu l'as fait avec le gars de ta soeur. Viens nous parler de tous ces détails là. Ta vie est en chantier, mais c'est toi qui laisses ta misérable vie pour aller parler de celle des autres. Ok? Viens nous donner tous les détails de ta vie. Il y a trop à dire sur toi. Donc laisse les autres filer le parfait amour. Ok? Tu ne connais pas ce que c'est que l'amour. Il n'y a pas un design pour l'amour. Chacun vit sa relation à sa façon. Chacun vit sa relation à sa façon. Who are we to judge? Nous sommes qui pour juger les êtres humains? Who are we? Ok? Tu ne peux pas être une misérable fille. Tout a fallu sur un vieux canapé, dans un trou, on ne connaît pas dans quel village tu vis. Ton bengla, on ne connaît même pas là où tu vis ton bengla, dans le village en Allemagne. C'est ça qui a venu crier sur la vie des gens forts. Tout ça avec la salive qui palpite ta bouche comme ça là. Tu es mal habillé, mal coiffé. Tu n'as même pas un bon soutien. Ok? Quel est ton contenu? Comme demande Kéra, quel est ton contenu dans ton blog? Tu parles d'une émission de mythes en gris. Ton émission que tu voulais, vu que les hommes viennent te nier, ça va. Qu'est-ce que tu as à quel niveau avec? Comme tu as entendu que les membres ont fait le mythe en gris, tu voulais aussi faire le mythe. Tu es à quel niveau avec? Tu as quel niveau avec? Quand tu vois ta salle pour la bina, et tu dis ça fait combien de temps que tu vas venir me donner des routines? Viens me dire comment tu fais. Mais je sais que tu ne connais même pas la position pour laver tes feuilles, tu t'as dans tes fesses. Tu ne connais pas la position. Tu ne connais même pas le doigt qu'il faut utiliser. C'est toi qui viens la patte d'arracher de rappeler à ton numbamba. Tu veux parler des gens tout le temps. Ok? Tu veux parler des gens tout le temps. Une sale chose comme toi. Un déchet. Le 17e comme vous. Des serveurs servis tout le 17e. Des servis tout le 17e. Des conneries comme ça là. Des sales choses comme ça là. Et de là, les sont remplis de panaïs dedans, là où la masturbation a déformé le doigt, elle va parler de la vie des gens qui les dépassent. On peut parler sur la vie de sa caméra comme ça, elle ne vous répond pas, elle vous ignore. Vous n'avez pas d'orgueil propre, vous n'avez pas d'orgueil personnel, vous n'avez pas ce truc-là de faire vieux ignorer. Tellement ça brûle, vous n'avez rien à vous concentrer dans vos vies. Et encore ça. Mais on peut ignorer une bande de malades mentaux comme ça. Quand tu vois le sel là, Ngomopio, ma poti pota, c'est là qu'on a niasse, que l'on casse, a mis sa tête dans son élan derrière pour 10 dollars, pour 10 euros, et tu as aussi parlé.
pas sur ta part, tu fouettes ta part sur ma part. Tu sais pas seulement de la promiscuité, l'alcool, le sexe vert, quel un tabac, les conneries. Ce que les gens ont mangé l'année passée, le 9 décembre, les trucs fades de la tête, le soya, tu n'avais jamais vu quelqu'un manger le soya là-bas, là, mais on a dit qu'il y a le soya fade là-bas. Ok? C'est d'abord quoi? Quel est un tabac? Jamais! Les Camerounais ne peuvent pas venir à une soirée prestigieuse et manger du tabac. On veut une deuxième belle dans date. C'est la nourriture que tu as nourri les gens avec des plats chauds. Cherche un service traiteur. On ne vient pas là-bas pour 100 euros manger un tabac, des conneries, les escroqueries, pour aller faire quoi? Quel est ton plan d'action de grâce que tu vas faire après cet argent-là? Cet argent, et que le bénéfice de cet argent, c'est pour faire quoi? Pour aller construire ta maison, pour nous naguer après. Jamais! Voilà. Jamais! C'est une soirée caricative, c'est une soirée non caricative. C'est quoi le but du machin là? Aller boire, se toucher. Tu te tournes pas tes sexes dans les bras d'un homme que tu ne connais même pas. Le serré, serré de ça. Des conneries comme ça. Elle va voir, c'est qui va voir. Elle est partie organisée. Elle devait aller avec les 12 millions. Elle devait aller le 12 novembre avec Thierry. Elle devait aller. Ok? Allez arrêter. Ok? Voilà. Et dire, c'est la déchet de Tatiana Cornille qui est venue, ça y est, ces sales pieds là. C'est toi, c'est un faux profit. Avec une bêtise comme ça, là. Une mazo comme toi. On te dit qu'on essaie de prêcher pour toi. Tu sales choses comme toi, Tatiana Cornille. Ok? Tu pleures, Thierry. Tu n'es pas plus une serveuse de Rouen. La serveuse de la ville de Rouen. Elle est cadée dans tout Rouen. Et qu'elle parle, elle avait la langue dans la bouche comme les feux du tarot. Elle amène sa tête là, un démon du dimanche comme ça. Là. Elle bat les démons dans notre life. Connerie comme ça. Là. Sale chose comme ça. Là. Pas continuer à pleurer un homme qui t'a laissé. Un homme sur lequel tu as donné un homme. Tu as fait tout. Reviens ton âme, il va manger ça bien. Reviens, va laver les fesses que tu laves à l'hôpital là. Tu reviens là de ça. Il va manger ça, ça va pas chauffer. Reviens avec l'un de tes pipis du chat que tu peux laver les fesses de mort là-bas à l'hôpital. Il va manger ça bien. Tu as compris, non? Il va manger ça bien. Saleté. Envoie une déchet comme ça, elle vient là, avec ses cuisses qui collent. Hein? Va faire le TikTok. Elle fait le TikTok avec ses dents limées dans la bouche. Tu dis que ça, c'est quoi ça sur mes yeux? Une désespérée. Une sale chose. Tu viens avec tes pipis du chat là-bas ici sur mon live. Va pleurer chez Bida. Ça parle à l'aise. Elle finit encore avec elle demain. Elle connaît comme ça là. Elle vient là. Sale chose comme ça là. Va pleurer l'homme. Tu ne pleures même pas tes parents que le corona avait tué. Tu ne pleures même pas. Tout l'air tué. Terry. Eva. Et que fous beaucoup et tout. La personne la plus laide des bamounes là. Quand elle venait lécher, laisser le médecin. C'est qu'elle avait gagné le jackpot de jour là. Quelqu'un est venu humer son élan pour seulement 80 euros. Quelqu'un est venu humer son élan. Elle a eu le jackpot. Elle a eu un easy money. Elle a eu un argent facile le jour là. On a senti son élan. On lui a donné 80 euros. Qui n'aime pas les câbles de 50 ni francs CFA. Avec tous les risques que tu as pris à prendre l'avion. Si l'avion te jetait là-bas, oh, quand elle dit que tu partais où? Pour venir te souiller le corps comme ça. Une femme. Que tout son objet, sa part d'objet de décoration chez elle, c'est que l'alcool, les dangers d'alcool, l'alcool, une autre désespérée, elle a aussi acheté un homme, c'est la fatigue. Le gars a dit que Nagogo, le gars a dit que je pars, le PM a fui, la dépression de ça. Il fallait voir comment elle venait pleurer tous les jours là-bas à l'Odon Bachot. Toi, tu faisais quoi? Toi, Gomopion, bouche de cheval, ma porte, tu portes beaucoup de dents dans ta bouche. Toi, Gomba, pas, tu faisais quoi avec Bachot? Tu n'achetais pas Bachot ici là. Tu braisais les poissons, toi, la taille de la table de ma cuisine ici là, pour Bachot. Il t'a pris. Même ton nias, il ne parlait pas de nias parce qu'il n'y avait pas le feeling. Il était trop le fort aussi. Même ton nias, il ne parlait pas de nias parce qu'il ne t'aimait pas. Parce que quand un homme t'aime, il te nias propre. Il n'a pas la fait que oh, ça ne se lève pas. Quand un homme nias, un gars, il a ses mains, il va faire le travail. Avec toi, tu pleurais la nias parce qu'il ne te niasait pas. Parce qu'il ne t'aimait pas. Il n'y avait pas de feeling. Ça ne passait pas. Ok? Il n'y avait rien. Ça ne passait pas. Tu pleurais la tous les là, elle a fait cela, avec ton vieux ange, que l'incassable, on a fait le chouk en passe, déchirer les conneries que tu as dans tes cuisses, que tu appelles l'éventail là, qui traînent partout, tu es parti au dos de son frère, tu es parti au dos de son frère pour chercher qui? Un gars avec lequel tu n'es pas en bon rapport, qui t'a appelé là-bas, maman, le vent de ça, le vieux ignoré, il a fait du next, le conneries, il avait les bons rapports avec son frère, quand tu venais dénigrer son frère, qui ne connaît pas ni à sa femme, c'était pas le dénigrement, tu n'avais pas les bons rapports avec le défunt à ce moment-là, tu partais encore pour négocier ta niasse. Des conneries comme ça, là, t'as bien. Tu ne connais pas parler, tu n'as pas une belle peau, tu n'as pas une belle dentition, tu n'as rien de bon. Même les ongles comme ça, souvent, limer tes ongles comme ça à la maison et mettre un vernis clair, tu ne peux pas. Tu viens avec tes ongles comme le dos de l'escargot, tu vas te parler aux gens. Quand tu vois tes petits malébats, tu peux te mettre à côté de tes petits malébats. Tu nous as dit comment tu l'adolâtrais, non? Comment tu étais venu à l'anniversaire de ta nièce? Tu l'as regardé seulement comme ça, comme un objet d'art. Tu nous as dit ça par le passé. Quand tu clashais Flo ici, tu nous as dit comment Pépé, tu es une très belle femme. Comment tu étais venu à l'anniversaire de ta nièce, tu l'as regardé, tu l'adolâtrais comme ça debout. Ah, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est plus la même personne. Hein. Oh, vraiment. Et entre tout, il passait Noël. Et Tatiana a une famille. Elle, sa famille était où? Quand elle était dans le camion, elle était le pain, le piment. Quand elle faisait le porte-porte dans le camion, sa famille était où? Quand tu vois Tatiana, elle a quelle vie de luxe? Elle a son matelas. Le jour qu'on l'a filmé, en train d'enfiler ses palettes d'eau là qu'elle appelle son ventre dans le pantalon slim. Okay? Son matelas était jeté au sol.
Son matelas dans sa chambre était jeté au sol. Le jour que son soi-disant gars, ok, ce gars que non, il faudrait absolument. Tu n'as pas de caméra, chérie. Pas de caméra. C'est ceux qui ont bien signalé ton compte. Tu n'as pas de caméra. Fais un commentaire que j'essaie de te renvoyer. C'est ceux qui ont signalé aussi ton compte. Hein? Son matelas était jeté au sol. Quand on l'a filmé, elle s'est palette d'eau sur ce qu'elle appelle son ventre. Elle s'est palette d'eau qu'elle a au 8e étage déjà. Ton matelas était jeté au sol. Elle a qu'elle vit. Qu'elle a une famille. Forcée. Tu parles de la dame le matin, tu te lèves, en fait. Tous ces faits et gestes, en fait, tu es au courant. Elle te doit quoi? Qu'est-ce qu'elle te doit? Qu'est-ce qu'elle te doit? À plusieurs reprises, ta soeur t'a déjà dit, mais arrête de parler d'elle. Mais t'es je sais pas, t'es omnubilé par elle, en fait. Mm-hmm. C'est un truc de mal. J'ai jamais vu autant de haine vis-à-vis d'une personne. C'est quand même incroyable. Surtout une personne qu'on traite de haineuse, une personne qu'on dit qu'elle est illettrée, elle est tout ce que vous voulez, d'accord? Elle est tout ce que vous voulez, mais tous les jours, vous organisez des panels pour parler d'une illettrée. Il faudrait qu'on m'explique un peu ça, en fait. Mais elle fait quoi, même d'abord, dans les directs, à faire des directs en longueur de journée? Quoi, elle a quoi? Elle a pas de travail ou quoi? Elle a pas de taf? Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, en fait? Elle fait quoi? Ça ne glosse pas. Sa vie ne glosse pas. Non, mais attends. Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Elle fait quoi de sa vie, en fait? Parce que les intellectuels, quand même, ils ont un métier. Qu'elle vient nous dire, c'est quoi son métier? Non. Quel est ton métier? Parce que je ne comprends pas, tu ne peux pas autant t'agiter, autant t'exciter sur une personne que tu traites d'illettrée, en fait. Moi, il y a un truc, c'est l'incohérence, je ne supporte pas. Si elle est illettrée, pourquoi tu lui accordes autant d'importance? Oh, Thierry, il est parti. Il n'est pas parti. Oh, il va sauf que l'épouse. Toi, tu es qui? Pour venir demander à perpétuer, pour devenir des invités. Attends. Pour venir l'assommer, qu'elle va sauf que se marier avec lui. Toi, t'es qui, en fait? Toi, t'es qui, en fait? Non, mais je crois que des fois, les réseaux, ça vous donne un peu trop la grosse. Toi, tu es qui? Tu parles d'un couple, alors que toi-même, tu es une célibataire endurcie. On n'a jamais vu un couple. Et on dit que elle a nié avec le gars de sa soeur pour faire son premier enfant, là qu'elle a. Celui que, l'enfant là qu'elle a dépassé, est parti le déposer au Cameroun. Pour venir baver sur la vie des gens qui l'a dépassé. Non, mais sérieux! Comment une célibataire endurcie peut venir parler avec une femme qui est en couple, en fait? Sérieux! Il faut un peu remettre les pendules à l'heure. Comment une femme célibataire endurcie qu'aucun homme n'a jamais assumé peut venir parler avec une femme qui vit dans la maison avec un homme et qui éduque des enfants? Je dis, ma chérie, tu ne seras jamais star. La personne qu'on connaît, le personnage public qu'on connaît, c'est Lolo et ce n'est pas. Tu ne seras jamais star. Parce qu'on parle même de soutien. Je ne t'ai jamais vu même soutenir. Comme une sœur, pourrait. Tu sais, ma contenance, quand tu as ta sœur, tu soutiens, on voit David et toi avec son frère. Tu vois ce que je veux dire? Of course. Soutien, mais on voit qu'il y a de l'amour. Mais elle est jamais. La dernière fois, je ne dis pas que je t'ai coupé la parole. La dernière fois que tu l'as vu, elle est la dernière fois que tu les as vus en plus, ils n'avaient pas pour la télé, son en tu l'as pas vu quand elle est là. Voilà. Jamais. Jamais, je n'ai jamais vu sa sœur des fois, parce que des fois, Lolo a traversé des temps difficiles ici. Je ne l'ai jamais vu dire, ah, là je suis avec ma sœur, on passe du bon temps, ou j'ai invité ma sœur ici, on passe du bon temps, j'ai essayé de, je sais pas, je suis avec ma sœur à Dubaï, ou je sais pas, aux États-Unis. Toi, tu fais rien pour ta sœur, d'accord? Rien, en fait. Même quand elle vient te dire, écoute, arrête d'insulter cette femme-là, tu n'écoutes pas, tu n'as rien à foutre. Mais ce qui t'intéresse, c'est la star manager, je dis que ça, c'est l'introduction. C'est elle. Au lieu d'aller t'acharner sur Perpétue Maléba, il faut affronter les poids lourds. Et si tu es une femme, viens sur le panel de Thérèse, on va se faire ça. On va se faire ça. En tout cas. Tu es allée à l'école. Tu es allée à l'école, mais tu n'es pas dans des panels en longueur de journée à insulter une femme qui ne t'a jamais rien fait. Dis les étoiles. Si tu avais véritablement un métier digne de ce nom, quel est ton métier? Je demande à Rêve MBI, ton métier c'est lequel? Quelle est ta formation? Le master que tu as eu? Voilà. La reine des mouches, ma pépé et ta soeur et Lolo Fodia. Voilà les trois stars bracata. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Une racleuse de mieux comme toi. Toi qui veux succéder à ta soeur de son vivant. Ta soeur n'est même pas encore morte, mais tu veux la succéder. Tu as détruit le bloc de ta soeur. Son petit, tu n'avais pas tellement de mauvais regards attirant en elle. Comme avec toi. C'est toi qui as gâté, c'est toi qui as mis sa relation au plus bas fond avec maman Pépé. C'est toi. Parce qu'elle faisait le truc là pour se titiller avant et tout machin. Mais il n'y avait rien de deep. Mais parce que tu sors de nulle part, elle était régie de planter que tu traînes partout là. Pour venir. Que tu viens la défendre. Quand tu étais dans le noir, tu mettais les têtes de mort seulement. Tu n'étais pas ça. Ta soeur n'avait pas de. Elle n'avait pas tellement de haine vis-à-vis d'elle comme ça. Tous les regards dans son bac. C'est pour ça que moi j'apprends, je dois faire les efforts à savoir faire la part des choses entre toi et elle. Parce qu'elle est à vous voir, mais elle est contre tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Elle est contre. La dernière fois que tu as vu ta soeur, c'est quand? Que ma soeur, ta soeur est en bracata. Mais toi, tu n'es rien. Le baveur sur la vie de la grande dame, permettez-moi, next. Ta vie ne glosse pas. C'est pour ça que tu baves sur la vie d'une femme comme toi. Ta vie ne glosse pas. Tout ça pour réaliser pour aller l'argent, on ne connaît même pas. Le secteur que vous êtes dedans, pour aller nourrir Calamongo. C'est de dire que ton Calamongo, là, il est chiffré ton Calamongo, là, comme ça. Même pour ramener en gauche, le Calamongo, là, ne va plus jamais retrouver la route pour rentrer chez toi. C'est connu, les gars. Ma nièce, demain, Calamongo devenir ma nièce. La chiffre, la
chiffre que j'ai donné à Kalamongo là. Tu m'as dit que Kalamongo là ne va plus jamais sortir de la maison.